Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Bully. Est-ce que vous connaissez un peu ce classique? C'est un jeu où t'incarnes un mauvais élève, il est dans l'école, il court après des gens, il les tabasse, les profs, les enfants, tout le monde, bref. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, tu vois. J'ai joué un peu à l'ancienne, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, c'est juste que c'est un jeu incroyable. Voilà, c'est fait par les mêmes créateurs que voilà, GTA, Red Dead Redemption, Max Payne, tu connais bien sûr. Ouais, c'est Rockstar Games, voilà, tout simplement. They need no introduction. Pas besoin de les présenter, frérot. Ils ont déjà beaucoup Jimmy, de... Jimmy, mon chéri, dis quelque chose. Bah non, j'ai pas envie. James? Hein? T'es qui, toi, d'abord? Maman, je croyais que je devais pas parler aux étrangers. Jimmy, pour la énième fois, sois gentil avec ton nouveau beau-père. Ouais. Donc, il a un beau-père qui lui casse les pieds. Sa mère, elle change de mec tout le temps, tout ça. Et il est en mode, hey, mais pourquoi t'as laissé papa? Peut-être que papa c'est un enfoiré, okay, je sais pas, bref. Ok, gros riche, je trouve ça super que tu sois deux fois plus vieux que mon grand-père et aussi que tu sois gros et chauve. Ça suffit, j'en ai assez, petit morveux. Ouais, elle en a assez, Elle est remontée, ouais. Elle est remontée. Tu as contrarié ta mère. Par contre, les sous-titres là, ça va trop vite, je peux pas les lire. Moi-même, il est pas content contre sa mère, contre son beau-père et... Et énervé contre le monde entier, tu vois. C'est ce qui fait qu'il va devenir méchant, je suppose. Tous les monstres ont des origin stories, les frérots, vraiment, c'est pour ça. Hein, L'éducation, c'est important. Hein. Donc là, elle nous a laissé. Et je crois que c'est des trucs en plus avec dortoir et tout, tu vois. Ça veut dire vraiment, elle va plus le revoir avant. Belle lurette, bref. Directrice, tu dois être le petit Hopkins. D'où vous sortez-vous? Nous t'attendions. Bienvenue à Bullworth. Apparemment, c'est l'école, ouais, ça s'appelle comme ça, Bullworth. Je suis sûr que tu te plairas ici, et même beaucoup. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin, je ne vais pas passer ma vie à attendre des méchants petits garçons. J'ai un homme à rendre heureux. Quoi? Le proviseur t'attend, Hopkins. Dans son bureau. Okay. Son bureau est par là, petit. Dans le bâtiment principal. Ne fais pas attendre, monsieur. Cable Snitch. C'est un homme brillant. Mais l'amoureuse de lui ou quoi? Attends, elle parlait de lui quand elle disait j'ai un homme à rendre heureux. Moi, je pensais parler de son mec, genre dans la vraie vie. Je me suis dit, raconte un peu sa vie, tu vois. Bon, c'est. Bref. D'accord. Donc, on a une. Ouais, on a une mère un peu. Qui nous comprend pas, tu vois ce que je veux dire. On va se venger sur les gens, tu vois ce que je veux dire. Ok. Eux, c'est les premières personnes sur lesquelles on va se venger. T'as quoi, toi? Ouais, tu me connais ou pas? Do you know me? Et ça me dérange pas de tabasser des gens dès que je débarque. C'est pas grave. Voilà, t'es mort. Il est mort, frérot. Aïe. Il est en train de me tabasser aussi. Pourquoi tu rends les coups? Why do you run les coups, man? Oh. Mais, ouais, qu'est-ce que. Tu fais, il y a un pion là-bas. Il va commencer à me courir après. Waouh! Bordel de merde! Non. C'est même pas la première minute où j'ai respiré l'oxygène de cette école que déjà il y a deux mecs par terre. Nom de Dieu. Alors, petite mention spéciale, il y a des filtres, bien sûr, il y a des filtres. Et ouais, ça rend le jeu un peu plus BG. Moi, j'aurais voulu un remake. Vraiment, j'aurais souhaité un remake. Je pense que beaucoup de gens auraient souhaité un remake. Mais bon, des fois, plein de gens souhaitent des trucs, ça n'arrive pas dans la vie, écoute. Hein. Donc, c'est lui là, le proviseur. Ah oui, vous devez être Hopkins. Ouais, bah c'est moi. Ouais, ouais, c'est moi. Pardon? Ouais. Oui, monsieur. Très bien, voyons ça. Vous avez fait beaucoup de grosses bêtises, je vois. Vandalisme, graffiti, grossièreté, violence, conduite irrespectueuse. Pas mal, hein? Oh, j'ai peur de vous, Hopkins. C'est bon, lâchez-moi. Je n'ai jamais eu d'élève comme vous, de toute ma carrière. Hopkins, vous êtes le garçon le plus méchant que j'ai rencontré. Pourquoi devrais-je perdre mon temps avec vous? Je sais pas, moi. Parce que c'est mon métier, mon travail. Vous excellez à créer des ennuis, et moi, à dresser des garçons dans votre genre. À en faire des membres respectables. Je sais pas, ça va marcher, hein. De notre communauté de Bullworth, je sais pas quoi. J'ai un bon pressentiment, mon garçon. Je crois que nous allons devenir de bons amis. Tenez-vous à carreau, mon garçon. Ou je devrais sévir. Mademoiselle Danvers, vous êtes là? Ah, c'est elle. Oui, monsieur. Je vous apporte du thé. Vous êtes trop bonne, mademoiselle. Vous le méritez, monsieur le proviseur. Faites faire le tour de l'école à notre nouvel élève Hopkins et remettez-lui son uniforme. Très bien, monsieur. Suivez-moi, petit. J'ai beaucoup à faire. Et souvenez-vous, je ne veux pas d'histoire. Tenez-vous à carreau, ou je sévirai.
Ah là là, j'aime pas déjà, il y a une relation de lèche-cuillage entre la meuf et lui, je comprends pas. Et me voilà probablement dans le pire bahut du pays, qui n'a formé que des trafiquants d'armes, des tueurs en série, des avocats d'affaires. Mais wesh, le rebut de la société et ce vieil abruti qui croit pouvoir me mater, on verra ça mon pote. Je donne aux gens que ce qu'ils méritent moi. Aha. Ok, nouveau chapitre, alors c'est nouveaux amis et nouveaux ennemis. D'accord, bon, t'étais censé me faire le tour du truc là. Oh non non non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas la taper frère. Je pensais qu'on pouvait interagir. Comment on fait pour interagir avec les gens? On peut interagir avec vous madame? D'accord. Oh là, oh oh oh. Non non non, je voulais pas faire ça. J'ai sauté, j'ai cassé une vitre, je sais pas ce que j'ai fait. Oh là 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 là, je suppose qu'on doit partir par là. Je fais que des trucs par accident sans vouloir. Ops, pardon, voilà. Hop là, non ça par contre j'avoue, j'ai fait exprès mais c'est marrant, c'est marrant. Donc là je dois aller, je crois dans le dortoir. Mais il m'a suivi ce fou. Voilà, il m'a suivi. Mais c'est pas juste. Oh non, c'est une arrestation là carrément ou c'est quoi? D'accord, donc notre dortoir en fait c'est au droit à droite, ok. Et surtout, il faut essayer de tabasser personne sur la route. C'est déjà une mission en soi, tu vois, parce que je t'avoue, c'est un peu tentant. Devine quelle heure il est. C'est l'heure de la baston. Alors, même si c'est pas moi qui décide de bastonner des gens, c'est eux. Choper le nouveau. Oh non, ils font du... Comment on appelle ça? Oh, je sais plus, ça a un nom. Mais en gros, dès que t'es nouveau, ils vont te hagar, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc là, on est obligé de se battre. Ok, vas-y, viens, 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 frérot. Moi, je suis habitué sur GTA, tout ça. Voilà, voilà, je suis en train de... Je te vesquis. Non, c'est pas vrai, j'ai rien vesqui du tout. Ah, voilà. Oh, je le saisis carrément. Voilà. Oh, allez, ta, ta, ta. Mais vraiment, je trouve ça très violent. Hein. C'est une catastrophe. Mais il va mourir, là. Oh. On va le... Ah, on l'humilie, d'accord, j'ai cru qu'on allait faire un finish move. Je me suis dit, wesh, quand même, c'est une catastrophe. Oh non, notre premier coup de hagat, non, c'est trop. T'es mort, le nouveau, mort. Alors lui, il est beaucoup plus costaud que les autres. Et vous, séparez-vous. Ça suffit comme ça, séparez-vous. Pourquoi n'êtes-vous pas en uniforme, jeune homme? Allez vous changer. Putain, faut mettre un uniforme et tout, oh là là. Ah mais franchement, ça doit casser la tête, tu dois t'habiller comme tout le monde et tout. Franchement, c'est ma liberté d'expression, mes vêtements. Même si je m'habille mal, laisse-moi m'habiller mal. Hey, t'es nouveau, toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Sympa, le mec. Lâche-moi, tu veux. Hey, détends-toi, t'es dans tous tes états. File droit ou ils te colleront tes médocs. Oh, des médocs. Moi, j'ai eu droit et j'ai failli mourir. Il a dit ça? Super! Lâche-moi, bon sang. Écoute-moi, le caïd. Tu viens de débarquer dans une des pires écoles du pays et moi, je t'offre mon amitié. Crois-moi, dans un endroit pareil, va te falloir des potes. On dirait une prison, je te jure. Alors qu'est-ce que t'en dis? T'arrêtes de jouer les gros bras? Ouais, ok. Cool, bon, je te fais une visite guidée? Vas-y, mon ref. Mais je sens que ça va être compliqué hein, de lire les dialogues pendant les cinématiques. Oh là là là, parce qu'en fait, les sous-titres, ils défilent trop vite. C'est trop. Bon, là, c'est trop. Donc là, effectivement, je suppose qu'on a notre chambre. On a notre garde-robe. Oh, c'est pas mal changer de vêtements. D'accord. C'est ou bien pyjama ou bien uniforme de l'école. Moi, je pense que je vais mettre ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est la mission. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta life? Tu réfléchis? Il a l'air trop triste. Hey, how you doing? Salut, ça va? Tu dois être le nouveau? Ouais. Moi, c'est Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, et me demande pas si ça va. Je suis là depuis 5 minutes à peine et on veut déjà me tuer. Même mes parents m'ont pas détesté aussi vite. Bienvenue à Bullworth, c'est un vrai trou à rats ici. Oh, tu sais, j'ai été viré de tous les bahuts du pays. Oh là là. Ouais, j'ai été viré de tous les bahuts, je suis un vrai dur. Laisse tomber ton numéro, ok? C'est quoi ton problème? Les troubles du comportement, la vie, les parents, cette école, la civilisation occidentale. Mais bon, assez parlé de moi. Hé, hey, t'as rencontré la mascotte du dortoir. Mesdames et messieurs, voici Famlet. Oh, Mskin, il l'appelle Famlet. La seule vraie meuf de l'école. Pete, t'as pas des copains imaginaires à aller voir? Fiche-moi la paix, Gary. Écoute-le, fiche-moi la paix. Mais lui-même, c'est un hagar, lui. Je suis un vrai mec depuis que je suis devenu pubère. C'est quoi ton problème? J'essaie d'être sympa avec le nouveau. Pendant son séjour à Bullworth, avant qu'il finisse inévitablement en prison. Je dois déballer mes affaires. Vous voulez bien me laisser tranquille? Oh, regarde ce que t'as fait, Pete. Jimmy peut déjà plus te sentir. Il est trop hanine, lui, en vrai. Il l'appelle Famlet. Mais vraiment, c'est des salopards, les enfants. Je te jure, je suis choqué. Ouais, c'est une aventure profonde, là, à laquelle on va avoir affaire, j'ai envie de dire. Hein. Bon, ça nous fait réfléchir un peu à la vie. Ça nous fait réfléchir à nos actes, à nos paroles. On blesse les gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as regardé avec sa braguette musquée.
Voici votre école. Donc là, on commence une mission. Les flèches jaunes indiquent vos objectifs. D'accord. Ah, du coup, c'est le poteau. Il va montrer un peu aux alentours. Ok. C'est le casier de Russell. Tu sais, le gorille qui a failli t'envoyer à l'hosto. Oh, bah là, je crois qu'il va vraiment le faire. Si quelqu'un devient agressif envers vous, essayez de présenter vos excuses. Comment on fait? Oh là là. La plupart des caïds vous demanderont quelque chose avant de vous laisser tranquille. Payez Russell. Oh non, non, c'est pas grave. Enfin, j'ai dit c'est pas grave. C'est très grave. C'est très... C'est pas possible, ça veut dire même quand tu le laisses tranquille, il va quand même te faire un début de calvitie, hein. D'accord, donc on peut essayer de s'arranger en fait, c'est comme de la corruption de salopard. Allez, ouvre-le et voilà un truc. Crocheté, ça s'appelle du vol quand même, hein. Vraiment. Voilà! Là, je crois que c'est un lance-pierre qu'on avait chopé ou pas? Je me rappelle qu'à l'ancienne, on avait un lance-pierre. Attention, au point rouge sur le radar, ce sont des pions. Ouais, bah ça, j'ai capté. Bah là, par exemple, il y en a un qui m'a vu. Si un pion vous voit, est en train de vous épingler. Ça devrait le faire, normalement. Ouais, première mission, les gars, on va pas se faire quand même. Cachez-vous dans la poubelle. Mais c'est incroyable, ça, par contre. Personne nous remarque, là, vu qu'on est dans la poubelle. Donc là, on quitte. On se fait oublier un petit peu, tu vois ce que je veux dire? On se met dans les ordures. Là, on mérite d'être. Hey, Jimmy, suis-moi! Ah, voilà, c'est cinglé, Denis, viens, on va se marrer. Mais quoi? Il s'appelle Eunice, déjà là je suis choqué. Discuter avec des gens pour savoir ce qu'ils veulent. Il a pris mon chocolat, tu pourrais le récupérer. Qui a pris ton chocolat? C'est elle? Ah, je crois qu'elle a donné la position sur la map. Ok, j'ai capté. On va voir, il est haut ton chocolat. C'est pas bien ce que t'as fait. Hop là, c'est bon, prends-le ton chocolat. Vas-y. Il a très vite donné son chocolat, hein, c'est une dinguerie. Roya, je vais te plaquer. Roya, t'aimes quand je te plaque ou pas? Je vais te plaquer, Roya, voilà. Tiens, voilà ton chocolat. T'aimes, c'est du chocolat ou c'est une giga boîte? Ah, c'est une giga boîte de chocolat. On s'embrasse. Oh non. Oh non, oh lolo. Bon, si tu veux frérot, mais moi j'étais pas consentant à la base, hein. Vraiment j'étais pas consentant. Tu l'as vraiment embrassé? Allez, on va à la cantine, je vais te dire qui est qui. Eh, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'on a là? Tout le zoo est venu manger, bon je t'explique. Là-bas, ce sont les faillots. Évidemment, ce sont des parias. Ils ont l'air inoffensifs. Mais ce sont de vrais sournois, ils se planquent dans la bibliothèque. Et c'est tout? Ok. Là, c'est les bourges. Ils pensent qu'au fric et se croient supérieurs, comme dans la vraie vie. Ouais, tout ce qu'on sanguin est bête. Bien observé, Jimmy. Là-bas, ce sont les blousons noirs. Ils se la jouent caïd. Ou ils aimeraient qu'on le croie. Évite quand même de les chercher, au moins pour l'instant. Ils traînent près du garage. Et enfin, pour finir, les sportifs. Ces mecs sont les rois du bahut. Un bon conseil, évite-les. Les gorilles adeptes de la gonflette me font pas peur. Tu verras. C'est les mecs qui font du bodybuilding, man. Ça prend des stéroïdes. Vous êtes ici pour apprendre, pas pour faire les clowns. Allez en classe. Bah, on apprenait un peu comment ça se passe, les classes sociales, frérot. Wow, c'est les catégories de gens, c'est comme dans la vraie vie, on essaie de comprendre, tu vois ce que je veux dire. Faut être stratégique. Tu prends le mec le plus fort du bahut, tu lui tabasses lui et sa mère, et après ils vont te respecter. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Ne soyez pas en retard, vous devez être en cours avant 9h30. Oh, tranquille. Et du coup, c'est où ma salle de classe? Ok, cours de chimie. Let's go, man. Que faites-vous ici? Ah oui, le cours. Attention à bien suivre les instructions. Nous allons manipuler des produits chimiques hautement instables. Alors, A, QTE. Je connais. Voilà, des bons petits QTE comme on les aime. Et moi, je suis un mec vraiment... T'as la chimie? Non, pas du tout. Oh, merde. Je me suis un peu déconcentré. C'est bon. Réessayez, d'accord. Tac, tac. Voilà, là, on est bon. Voilà, cours de chimie fini. Bah, dis donc, j'espère qu'il va nous apprendre à faire des bombes ou un truc comme ça, tu vois. Les pétards. Oh, bah voilà, on a fabriqué des pétards, du coup. Ah, la dinguerie. Ok, j'aime bien ça, moi. Et du coup, c'était ça l'objectif. C'était coup monté. Ok, let's go, mec. On dirait que vous êtes à l'aise ici. J'essaie de m'intégrer. En vous battant? En dérangeant tout le monde? Ça ne passe pas comme ça. Ouais, bon, ça se voit pas. Y'a que des caïds et des cinglés ici. Ne dis pas n'importe quoi. C'est de la camaraderie. À mon époque, on ne reculait devant rien pour mater les nouveaux. Pour éclater les nouveaux, c'est un malade. Je veux que vous cessiez ces idioties, je sais pas quoi. Je peux partir, monsieur? Filez! Ouais. Hey, je t'ai vu faire de la lèche à crabe. C'est trop... Voilà comment on traite les lèche-bottes ici. Oh là 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 là. T'as, mais ça veut dire juste tu parles 2 secondes au proviseur, on te prend pour un snitch ou je sais pas quoi, frérot. Attends, je vais t'attraper, ma gueule. Ok. Oh, c'est quoi ça, wesh? On dirait qu'il est parti dans une casse. Attends, je vais essayer d'ouvrir ça, je m'en fous de la castagne. Vous allez me tabasser là ou quoi? C'est quoi l'histoire?
Oh le salopard, comment je vais faire moi maintenant? Oh aïe aïe. Bon là je suis obligé de me battre hein, je crois. Ta 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 ta. Et voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Allez petit treha, comme on aime. Hey, il est parti pleurer, je te jure. Ah ok, donc là je peux ramasser une arme. Ah c'est une brique. Je pense que je peux viser. Allez, ça dégage frérot. Attends, 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 parce que là je te jure. Attends, 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 prends ça. Arrête de me balancer des trucs s'il te plaît. Hein. Wow. Et on a tout cassé dedans. D'accord. Vous avez récupéré le lance-pierre. J'espère qu'on va pas se faire confisquer celui-là. Ok, donc là apparemment il y a une mission en relation au lance-pierre. Ok, donc là on commence la mission. Le lance-pierre. C'est une bonne idée, non? Ouais, ok, bien sûr, je vais le faire. Hey mec, quoi de neuf? Pas grand-chose. Expliquez à Pete comment je compte faire pour devenir le maître de l'école. Pour que nous devenions les maîtres. Comment ça? T'inquiète, Jimmy. C'est juste un petit truc que j'ai mis au point. Ici, c'est marche ou crève. Et si tu sais marcher, ben, faut laisser crever les autres. C'est moi le cerveau de l'opération. Laissez-moi faire. Quoi? Quoi, débile? Tu sais rien dire d'autre? En fait, Pete, t'avais raison, Jimmy est plutôt débile. Wesh. Qu'est-ce que t'as dit sur moi? Oh non, rien! J'ai rien dit! J'ai juste dit que c'était bête que tu te fasses virer de je sais pas combien d'écoles. Il a juste dit que tu devais être débile. Oh le bâtard, il a mal parlé de notre famille. Gray sort tout de son contexte. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls. Oh non, 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 non. Là, c'est trop. Je l'aime pas, lui, hein. Gary, je le déteste. Je le sens pas. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. Je suis au courant de tout, man. Ok. Honnêtement, les gars, je pense qu'à partir, je vais plus lire. Je vais plus lire parce que après, je comprends même plus ce qui se dit et même vous comprenez plus ce qui se dit. Donc, je pense, on est d'accord. Cinématique. Voilà, c'est bon, frère. Parce que là, voilà, j'arrive même plus à suivre ce qui se passe. Et si t'essayes de bousiller les vitres de ce bus? Ouais, c'est pas mal ça. Les petites musiques qui te mettent en plus, c'est vraiment pas mal. Rendez-vous au terrain de je sais pas quoi. Ok. Mais par contre, ce jeu, il est trop speed. Hein, c'est trop. Oh, c'est stylé. Je crois que ça doit être le terrain de foot. Ou je sais pas quoi. Attends, on peut grimper aux arbres, frérot. Par contre, c'est n'importe quoi, ça. Attends, tac, grimper. Mais je me souviens pas du tout avoir fait ça à l'ancienne. Hein. C'est une dinguerie. Ok, attention à la branche, frérot. Ça va pas ou quoi? Ok, on pourra viser d'ici ou pas? Alors là, vraiment, c'est un peu vicieux, mais je comprends. Voilà, lui, il est die. Mais attends, il faut éclater tout le monde, là. Voilà. Et voilà, magnifique, lui il est mort. Et lui il est die, il reste... Arrête de bouger j'ai dit. Bam. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et toi aussi, c'est ça qu'on aime. Pourquoi faire, vraiment c'est trop. Ah là 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 là. Allez, je prends une petite boisson. Et je vais rompiche, je pète ma bière. Va rompiche un petit peu. Avec ton uniforme, c'est vraiment dégueulasse hein. Franchement je comprends pas les gens qui dorment avec leur tenue avec lesquelles ils sortent. T'as sué dedans la journée, t'as pris les transports, les je sais pas quoi, les... je sais pas. Mais tranquille, pas de douche, pas de rien du tout. Ça fait la mission directe. Là je vais essayer de pas lire les chais parce que vraiment on voit. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Je te jure, Gary, c'est un salopard. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. T'as vu l'attitude qu'il a? Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. De fou. Boring? T'es trop chiant. I'm boring. Ouais, t'es pénible. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. Ah, enfin. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Miskin. Come on. Il y a un SDF dans l'école ou aux alentours de l'école. Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Ça se voit, Pete, il en a marre de ces conneries. Hein.
Déjà, il se fait grave manquer de respect, et ensuite, il l'entraîne dans ses histoires. Ça se voit que c'est pas un mec comme ça, Pete. C'est un mec qui a des valeurs. Pas comme lui, là, tu vois ce que je veux dire? Bon, ok, on va partir, je sais pas où. Oh non, on va aller Hagar à un sans domicile fixe. Mais vraiment, c'est n'importe quoi, ces missions, je te jure. Ah, tu crois que ça va être là? Ah, derrière le bus, je crois. Il va être là, Mskin? Ça me dégoûte. Where is this dirty old perv? You know... You're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Allez, bâtard. Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No! Anyway, shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me! You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Ah, classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Eh, les dialogues en vrai sont ouf, c'est une dinguerie. Ok, faut trouver un transistor. Et en fait, en échange, il va nous apprendre des bons coups de baston, man. Au début, j'ai cru vraiment qu'il allait nous dire genre, va me chercher d'alcool ou un truc comme ça, tu vois. J'ai eu un peu peur, mais ça va. Ok, c'est par là, les chais. It's from here, man. Ah bah voilà, transistor, c'est une dinguerie. Ça va, c'était rapide. Là, il nous reste plus qu'à caval. Et voilà ta pièce, ma gueule. C'est une pièce ou c'est la radio en elle-même? C'est une dinguerie, ça. Alors, donc là, il va nous apprendre les coups? Ok. Oh, uppercut. Oh, la dinguerie. En fait, tu enfonces X et ça te fait un giga coup. Ok, j'aime bien. Apprends-moi Vesky, non? Je veux Vesky. Quand tu reviendras, oublie pas d'amener un transistor. Ah, donc en fait, à chaque fois, il faut ramener un autre truc. Ben, c'est une dinguerie. Trouver d'autres transistors cachés et retrouver le clodo pour plus d'entraînement. Ouais, j'avoue, le terme, maladroit, mais ok, on a capté qu'il parlait du son au domicile fixe. Ouais. On peut partir dans le dortoir des filles. Il y a une mission là-bas, apparemment. Ça m'intéresse. C'est tout joli, tout rose. Cliché, frérot. Ah, mais je crois qu'on n'a pas le droit de venir ici. Elles sont choquées de nous, là. Ok, quelle garce ça s'appelle. La mission s'appelle comme ça. Give it back. Or what? Or, well, just give it back. Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back. You can't just steal things from me. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. Mskina. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes. Sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Oh, okay. That's okay. Oh, le bâtard, il a dit ça ira. Okay, but... If you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. Oh, elle nous fait du chantage, frère. Elle a dit si tu le fais, je t'embrasse. Elle a dit non merci. Elle a dit si tu le fais pas, je vais dire à tout le monde que t'es un pervers. C'est un peu méchant ça, mais bon. Hey Gary, I need to get something from Mandy's locker. I'm not surprised. Yes. You know, you should put a stink bomb in there. It'd be funny. Get one from Fatty. He knows everything about stinking. Ok, donc il y a quelqu'un qui s'appelle Fatty apparemment. Demandez des boules puantes à Fatty. Alors là, le pseudo déjà il est problématique, mais bon. En même temps, on est dans un jeu Rockstar. Vraiment, le jeu Rockstar c'est une catastrophe. Hein. Alors, ça dit quoi, mec? C'est toi, Fatty? Comment je fais pour te parler? J'ai peur de faire un truc et en fait je l'attrape ou bien je m'énerve avec lui. Ah, tu vois, là je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, mec, tu vois.
Oh non. Ah voilà, il y a un truc. Oh, boule puante. Bah peut-être qu'il fallait vraiment le taper, Mskin, pour qu'il le lâche, je sais pas. Oh, là on va dans la gym, man. Le gymnase quoi, en gros. Et je suppose qu'il y aura d'autres pom-pom girls méchantes là. Peut-être on peut faire un truc pour la sabotager. Et pour la saboter, bien sûr. Ah, on va mettre dans son casier en fait. Ouais, non, n'aie pas peur, mais faut juste que je crochette là. Hein. Et ouais, c'est tout. Hein. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va m'observer. Ça, c'est problématique. Mais je pense que ça va là. Voilà. Personne ne m'a vu. Et j'ai récupéré ses notes, trop bien. Et là, elle va récupérer ses affaires. Oh, ça lui a fait la boule puante dans la gueule. Je crois vraiment ça a fait ça là et elle est en train de vomir. Tu te sens bête ou pas? Ouais, je t'avoue, j'aurais bien voulu te balancer ça à la gueule, mais ouais. Ok, on va se faufiler. Putain, mais vraiment, je suis choqué, mais le jeu est prenant. Je te jure, je comprends pas pourquoi j'ai pas joué plus à l'ancienne, mais vraiment, c'est incroyable. Ah, du coup, je vais ramener la note à la meuf. Ok. Oh, Jimmy, merci, t'es formidable. Oh, il a dit, t'es incroyable, viens là. Ah, donc finalement, il voulait bien lui faire un bisou. Béatrice vous aime bien maintenant. Intéressant. Peut-être que je peux trouver des fleurs, je sais pas, moi, ça lui ferait plaisir. Bon, il faudrait que j'aille sauvegarder là, quand même. Parce que là, si je dodo pas de sauvegarde. Quand même. Putain, par contre, dormir la porte ouverte, là, c'est vraiment une très mauvaise idée. Surtout dans un endroit comme ça, mec. C'est impossible. Mais je trouve que les chambres sont grandes. Là, on est sur un quoi, un 12 mètres, 13 mètres carrés, peut-être, je sais pas. Mais c'est assez grand, franchement. Il dort avec personne, il est tout seul. Oh là, c'est vraiment bien en vrai. Défendre Bucky. Ok. Sorry about that. Out. Stop, Gary. Trying to watch this. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Is that fuel your Il est trop chiant. Gary, just get out of the way. J'espère trop qu'un jour on va lui donner une bonne leçon. Or... Wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughing him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Aïe, aïe, aïe. Peace day. Le pisseur. Listen, Jimmy. Oh, non. I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Ah ouais? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Oh, I think the bullies might have gotten Skin. Him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Mm-hmm. Now run along, pee stain, before you mark the carpet. Vas-y, man. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Stop. Non, non, il est insupportable ce mec, hein, je te jure. En fait, il a littéralement les yeux plus gros que le ventre. Et en plus, il nous casse la tête. Putain, mais Bucky là, il est en train de se faire tabasser ou quoi? Bah oui, sa barre de vie là, elle est en train de diminuer. J'arrive frérot, j'arrive! Laissez-le tranquille! Putain, il a une batte de baseball carrément, mais c'est des malades! Laisse-le! Arrête! Il me fait vraiment trop mal. Allez! Oh, il a mis du crachat, wesh. Dans ta gueule, ça c'est de l'humiliation comme on aime. Allez, toi aussi, tu mérites. T'as la chance d'y avoir échappé. Viens par là, toi. Oh, alors, frérot, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire, là, concrètement? Est-ce qu'on doit se venger, tu penses, du chef des... Oh, starfoulard. Attends, les frères, attends. Te balance ça à la gueule, voilà. Petite boule puante. Toi aussi, boule puante. Allez. Ça va, se tape. Avec des pets dans la gueule. Attends, je vais essayer de la prendre, là. La truc. Voilà. Qui c'est qui fait le malin maintenant? Qui c'est qui se fait tabasser à coups de Batman? On m'appelle Batman, bien sûr. Bien, Bucky, viens, frérot. T'es le gars sûr. Non, c'est pas parce que ton pote me paye que je t'aide. Un petit peu, mais pas... C'est pas toutes les raisons. Je suis d'humeur joviale aujourd'hui, tu vois ce qu'il dit ou pas. Putain, la concu, on l'a laissé par terre. Ah, mais j'en ai marre, là, de vos battes de baseball, là. Putain, c'est trop. Ok, on les a finis. Mais regarde comment il panique, frérot. T'inquiète, c'est bon. Foutu gamin, moins de bruit. Tu penses que c'est le SDF? Oh... C'est sympa de savoir qu'il y a un fou dangereux dans l'école. J'avoue. Oh, skateboard. Merci, frérot. Non, mais c'est une dinguerie, ça, par contre. Voilà, ouais, c'est pas mal. On peut sauter ou pas? Tu peux sauter? Oui, tu peux sauter. On peut faire des grinds. Skate 4, les frérots, c'est une dinguerie. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire? Oh,
Mais laisse-moi tranquille, j'ai rien fait à la base, oh. Allez, voilà, comment je l'ai niqué, c'est trop bien ça. Ouais, malheureusement, je pense pas qu'on peut faire des grinds, mais c'est pas grave. Quand elle m'a vu, elle fait ça, j'ai aimé. J'aime bien comment tu t'habilles, je sais pas quoi. Est-ce que tu vas me donner quelque chose de bien? Non, non, j'ai pas de trucs de chocolat, malheureusement, pas maintenant. Mais ouais, j'aurais bien voulu trouver des trucs là sur les toits, mais je sais pas comment on fait. Attends, on peut grimper là? Incroyable. Mais arrête de me suivre, toi, t'es folle ou quoi? Non, mais je me dis peut-être sur le toit, on peut trouver un truc, et le SDF, il peut nous apprendre des coups, peut-être, tu crois pas? Je sais pas, ouais, je suis un giga-grenier. Mais je me doute quand même, tu vois, qu'il y a des endroits secrets dans l'école, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr et certain. C'est quoi ça? 1 sur 40 carrés? C'est quoi ça? Je viens de ramasser un truc, je suis même pas au courant. Mais je te jure, on dirait un truc de prison, frérot, c'est quoi ça? Wesh, regarde-moi ça. Wesh. Ah, on est à l'étage, en fait, du dortoir, là. Mais c'est un truc abandonné, on dirait, en plus. C'est grand de fou. C'est pas comme ça chez nous, je te jure. Regarde comment c'est grand. On a vraiment pas ça. Wesh. Ouh là là, oïe oïe oïe, mais arrête de crier toi. Hop là. Pardon madame, non mais le but c'était pas de... des confrontations ou quoi, tu vois, je venais pour les transistors à la base, c'est un malentendu cette histoire. Mais regarde vraiment notre dortoir de schlag à côté, c'est abusé. Mais je te jure, j'ai vu un truc... Bah ouais, on a des rats frérot, et là-bas il fait grave beau, il fait... C'est mignon. Là par contre il a l'air fatigué le frérot, tout endormi. Il doit dormir, effectivement. On peut prendre un extincteur. Oh, c'est vraiment bien ça. Regarde. Mais c'est pas mal cette histoire. Allez dormir. Oh mais il s'endort. HS. Oh merde. Donc en fait si tu t'évanouis, bah tu te réveilles le lendemain dans ton lit quoi. Ou l'infirmerie ou un truc comme ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode. Bon, j'ai un peu découvert, j'ai fait pas mal de merde malheureusement. Je trouve que j'ai pas fait assez de cours. Mais les prochains épisodes, je pense que... Ouais, prochains épisodes, j'ai dit, parce que si celui-ci vous plaît, bah je pense que vous me reverrez quoi. Dans tous les cas, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.